bonjour. Donc aujourd'hui, je vous reçois avec un gruyère suisse, donc d'appellation d'origine contrôlée. Ici, je suis sur un fromage d'alpage, qui est un fromage en fait fait donc uniquement en belle saison, et au lieu d'être fait donc comme le nom le dit en plaine, il est fait donc en alpage, ce qui lui donne donc un goût un petit peu plus aromatique dans ses bouquets plus floral. Il est cuit d'ailleurs donc au feu de bois, ça va lui donner un goût un petit peu plus puissant. Un fromage superbe que j'ai par chance dans mon frigo et je ne sais pas comment je vais le faire. Je voulais le manger devant la TV avec une petite bière. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je vais préparer? Il me reste des pommes de terre cuites, j'ai un morceau de poisson fumé, ici de la truite en l'occurrence, un petit peu de fruits, de la crème. Je vais faire une petite salade de pommes de terre aux truites fumées et avec une petite sauce donc aigrelette, le tout pour accompagner donc mon gruyère. Très simple, je dresse mes pommes de terre déjà pré-cuites, tièdes ou bien froides. Je vais accompagner d'un filet de truite fumée. Hop. Je vais vous accompagner de très beaux copeaux de gruyère d'alpage qui va au point de vue des arômes et s'accompagner très bien donc avec cette truite et fumée forte. Et simplement donc en accompagnement, j'ai mis une petite crème et que j'ai assaisonné sel, poivre et jus de citron, et j'accompagne simplement mon fromage donc avec cette sauce qui pourrait très très bien s'accompagner toute seule. Une petite touche de groseille donc pour la couleur, et vous avez une entrée goûteuse, délicieuse. Un très bon appétit.